UFDG, RPG. Moi, je ne voudrais pas qu'ils classent RPG, mais toi, ma classe fera ça. Je voudrais m'adresser à eux. Tout récemment, on a vu Mamadou Sylla, UDG, a claqué la porte des Quator. Ça fait bruit. Il est parti qu'ils vont faire dialogue politique. Et ce soir, ils ont quitté. Parce que ça, ce n'était pas dialogue. Ça, on appelait ça séminaire. Séminaire, il y a séminaire de formation politique. Ils partent et parlent. Après, pause café et croissant donc. Après, café diming et mensuellement. Après, quoi, ils partent à la maison. C'est ce qu'ils partaient faire. Aujourd'hui, ils ont claqué la porte. Parce que l'Union africaine estime que le dialogue que le CNRD organise n'est pas inclusif. On exclut certaines personnes. Compte tenu de l'exil de Sylla Dalem, on veut que le dialogue politique soit délocalisé. Que les gens partent dans un autre pays, Côte d'Ivoire, Sénégal ou Mali, partent faire le dialogue là-bas. Voilà, Nakuloa, blogueur et Mounoma et modèle et Faldeo, on ne peut pas vous expliquer comme ça. Quoi. Donc, c'est ce que l'Union africaine a estimé. On dit que la Guinée a fait, le CNRD a fait un effort, mais il faut délocaliser le dialogue. Donc, vos bébés politiciens là, qui estimaient que le Quator ou le Trio ou le. Comme le trio qui disait qu'ils sont des bébés gâtés, les bébés hollandais, parce que quand on fait une chose, ils demandent autre. Quand on fait une chose, ils demandent autre. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils quittent le dialogue politique. Donc, le décor est planté. Je voudrais maintenant m'adresser à ces politiciens-là. Ceux qui étaient dans le dialogue-là, ils vont quitter encore, ils vont courir, calme. Ils vont vous rejoindre encore le trio pour grossir le rang. Et Allah, vous qui me suivez là, vous n'êtes pas nombreux. Est-ce qu'il faut accepter ces gens encore qui ne sont jamais tranquilles? Tantôt ils sont par là, tantôt ils sont par là. Tantôt ils sont par là, tantôt ils sont par là. Regardez seulement, Mamadou Sylla va commencer à faire des yeux doux à Sylla Dalem tout à l'heure. Parce que c'est lui qui est flexible. C'est Sylla Dalem qui est flexible. Les autres sont intransigeants. S'il y a intransigeants, bon, RPG, il ne peut plus parler quoi. Et ce sont des cocos. Ce sont des cocos, ils n'ont pas la voix au chapitre là-bas. Mais c'est Sylla Dalem qui est flexible. Ils vont venir encore, il va dire non, accepter l'air. Quand on cherche le pouvoir, il faut accepter tout. Est-ce qu'il faut, honnêtement, est-ce qu'il faut accepter ces gens encore? Docteur Ibrahim Sor Bok là, le parti est là, depuis l'avènement des politiciens en République de Guinée, enfin, depuis Alpha Condé, un parti qui n'a jamais participer à une élection pour remporter au moins même un siège. Il participe aux petites élections là, mais il remporte rien. C'est coalition sur coalition. Il bavarde tout en présent dans les radios. Il faut jamais accepter ces gens-là. Ils sont partis pour dialoguer. Laissez-les dans leur dialogue là. Maintenez les trios là. N'ajoutez personne d'autre là-bas. Quiconque vient, dites-leur de former leur coalition à part, de partir à Singleton s'il le faut. Mais il ne faut jamais les accepter. Encore, si vous les... Non, je sais que Sylla va les accepter. Sylla va les accepter. Je connais Sylla. Sylla, il a une tête dure. Ses oreilles sont dures comme le caillou. Il va essayer de convaincre encore les Sidia et les autres. Il ne faut jamais les accepter. Ils ont fui leur dialogue là. Ça a capoté. Le dialogue a capoté. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ou bien ils n'ont qu'à faire leur bloc à part. Comme bloc libéral de Faya Milimono. Ils sont partis à leur séminaire. Ils ont fait quelques jours. Qu'ils restent là-bas. Ou bien qu'ils forment une autre. Non, non. Vos partis là. UFDG, UDG, UFR, RPG. Vous avez besoin vraiment des leçons de constance. Franchement. Il faut les laisser, ils ne peuvent rien apporter. C'est des encombrants, ils vont venir vous encombrer encore. Regardez seulement, Mamadou Sylla a quitté. Il est parti. Dialogue, est-ce que ça a eu lieu? Ça a capoté. Donc, il va chercher encore mille et une manières encore pour revenir encore. Non, franchement, c'est Sylla Dalem. Il ne faut plus les accepter. On ne cherche pas le pouvoir à tout prix. On cherche le pouvoir en restant intransigeant sur certains points.
tous ceux qui étaient présents au dialogue politique, franchement, ils étaient là-bas par conviction. Donc, ils forment leur bloc par conviction. Ousmane Kaba, Faya Milimono, Lansana Kouyaté, ils se sont dit qu'ils sont forts. Mais ils ne peuvent pas faire fléchir le pouvoir en place. Le pouvoir a besoin. On leur a toujours dit. Le trio là, c'est les 95% de la population guinéenne. Aucun des partis qui sont partis au dialogue là n'a eu 1% pendant les élections. Mais dites donc, c'est quoi ça? C'est même ce Loudel qui nous a mis dans tout ça là. Pourquoi il est sorti de la Guinée même? Pourquoi sorti de la Guinée? Hein? Tu n'es pas égal à celui qui est en prison là, comment il s'appelle? Akassori Fofana. Vous n'êtes pas égal. Tu n'es pas égal à Mohamed Gané. Même Alpha Condé, tu n'es pas égal à lui. Tu es ce Loudel. Mais bon, comme ma foule dit Nam Fanara, foule est en garouan. Foule garouan, foule garou. Quand foule en Antoya, Gilera Marumboyati, foule métis Nara. Sinon, un vrai pull là. Ils sont toujours minces, comme c'est Loudel. Vous ne voyez pas, pendant ces massacres du 28 septembre, quiconque parle, quand chose parle, comment il s'appelle là, Kegoro, mince là, il dit j'ai pris ce Loudel, j'ai mis sur mon dos, j'ai transporté. Quand Marcel parle, on dit Marcel a pris ce Loudel comme un bébé, il l'a tiré dans la foule. C'est lourd, pourquoi tu es mince comme ça là? Trop mince, c'est pas bon, faut manger. Hadja, il faut donner vraiment de la viande à ce Loudel, parce qu'un vrai peuple ne mange pas la viande des bœufs. Il ne mange pas viande des bœufs. Il faut lui donner de la viande des bœufs. Il va manger, il va avoir beaucoup de vitamines. Sinon, tout le monde se fout de lui. Un Kegoro qui prend quelqu'un, il le met au dos et puis il le transporte sur des centaines de mètres. Non, wallahi. C'est lui léger. C'est lui très léger. Marcel, qui prend ce loup comme ça, là, il l'envoie sur le terrain. Il a vu Sidia, il n'a pas pris Sidia. Il a vu Mouktar, il n'a pas pris. C'est l'homme Krumba, hein. Il a vu Mouktar, le petit Mouktar, il était plus jeune, il n'a pas pris Mouktar. Il a vu qui est encore Baouri, il n'a pris Babou, il n'a pas pris Baouri. C'est celui d'elle, il va prendre le plus petit du groupe, le plus léger du groupe. Il va, il le prend, hop, il l'envoie dans la foule. On va développer ça. Ça là, vidéo là, c'était juste pour le dialogue. Il faut, pardon, on vous prie, il ne faut pas accepter les partis qui sont partis au dialogue là. Ils étaient partis pour une conviction. Qui restent derrière leurs convictions. Ils vous ont traité de tout. Ils vous ont dit que vous êtes les bébés hollandais. Que vous voulez trop de choses. Vous demandez trop de choses à la fois. Que vous n'êtes pas sérieux. Donc, il faut les laisser dans leur coin. Pardon. Pardon, c'est vous. Cette fois-ci, il ne faut pas faire l'imam. Il faut les laisser dans leur coin. CDAO a parlé en votre faveur. Donc, pardon. Il ne faut pas les mener à votre négociation. Merci.